Non mais attends, je suis désolé. Moi j'ai la main derrière le dos, elle est au-dessus à 5 cm. Je ne t'ai pas demandé de la mettre dans ton dos ni dans ton... Ok, d'accord. Non, vas-y. N'exagère pas. Vas-y. Ah, non, c'est un tricheur là. Bah non, je fais comme toi. Non mais moi je fais au-dessus comme ça. Bon, c'est Coé jusqu'à 20h sur Énergie. Nous allons jouer public contre membre de mon équipe. Je demande une musique de suspense. Ah, c'était pas vraiment ça que je voulais, mais une de musique de boxe. Qui a envie de jouer et d'essayer de battre mon public, mon équipe, levez la main. 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. À chaque mauvaise réponse, je sortirai, que ce soit la personne du public ou de mon équipe, je la sors. Le perdant, ouais. Je sors le perdant et je le remplace par quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Si la personne va jusqu'au bout, elle gagne une Nintendo Switch. D'accord. Donc il y a une Nintendo Switch. Uniquement dans le public. Oui, pas vous. Le perdant aura droit à un truc pas top. Ouais, mais il est là-dedans et que même moi je n'ai pas le droit de voir. Soulève-le, que tout le monde le voit bien. Il n'y a même pas besoin de soulever, j'ai déjà envie de vomir. Bah, c'est un plat. Non, ça va être un truc dégueulasse, bah, forcément. Oui, évidemment. Pas du tout. C'est le perdant. Hein. Pourquoi savoir ce que c'est ? Bah, vous pouvez lever. Ça a l'air très bon en apparence. Alors vas-y, soulève. C'est des chamallows. Oh, bah c'est des chamallows. Ouais. Fourré à quoi ? Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? En tout cas, moi je les vois de près, ils ont été refourrés. Visiblement, ils ont été vidés. Il y a eu un truc qui est rentré dedans, ce qui c'est pas assez chelou. Attention, nous allons commencer par Stouf. Mets-toi en place, Stouf, prenez un micro. Oh, putain, contre eux, Fares, mets-moi quelqu'un du public. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vomis pas ! Non, mais il y a déjà une odeur. Ah ouais ? Une odeur de quoi ? De quoi ? En vrai, c'est un truc qui sent fort. Ah non, vous êtes fou, c'est à côté de moi, j'ai rien senti. Non, moi j'ai senti. On l'a senti avec Miko. Ah, c'est la même odeur que les trois cafés gourmands là. Alors, le principe est simple. Lorsque un des membres des trois cafés gourmands désignera la. Par contre, Coco, pareil. Ouais, enfin, ouais donc, c'est un truc qui... Pas eux, pas sentez pas. C'est dur, ils nous regardent souvent, on vous embrasse. Sympa. Présentation des candidats. Stouf, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Stouf, tu vas jouer contre... Alexandre. Alexandre. Personne n'aide. Quel sport pratique LeBron James ? Du basket. Très bien, Alexandre, tu restes. Très bien, Alexandre. Ok. Stouf. En physique nucléaire. Quel animal est sur le logo de la marque Lamborghini ? Oh putain, j'en saurais pas. C'est un taureau. Bien joué, ouais, c'est un taureau. Ah, j'aurais pas su. On va faire en rapidité maintenant. Oh. Rapidité. Ça manque. Elle tremble, Stouf. Ah ouais, non mais... Qui a dit I have a dream ? Martin Luther King. Très c'est bien, Stouf. Toi tu vas t'asseoir, jeune homme. Candidat suivant. Non, y a pas, je suis premier tag, y a pas de... vas-y. Non, j'y vais, attends. Ouais, c'est Louineuse. Stouf, tu représentes. Mais oui. Quelle arme japonaise est formée de deux bâtons reliés par une chaîne ? Vas-y. Un nunchaku. Ouais. Pardon, c'est chinois, c'est pas le japonais. Ah ouais. La première, elle a pas dit un mot. Quel est ton prénom ? Masita. Quel genre d'animal est un silure ? Un poisson. Oui. Ça j'aurais su, mais Game of Thrones. Mais c'est nul, le but du jeu c'est de faire gagner. Ah bah oui, mais. Ah bah non, le but du jeu c'est de faire. Vous avez pris pour des teubés ou comment ça se passe en fait? J'aurais dû t'envoyer. Oh non, c'est pas bien. Alors finis pas cette phrase. Finis pas cette phrase. Allez, envoie Bordas sinon, tu vas gagner. La Lamborghini, j'aurais su répondre à tout pour moment. Il a pas fini, il a rien dit. C'est vrai? Ouais. Eh bien, Miko, pour la peine. Très bien, Miko. Changement. Là, il est chaud. Quel est. Attends, rapidité, normal rapidité. Quel est le satellite ? Tu voulais une question espace, tu l'as. Quel est le satellite de la Terre ? La Lune. Lui, satellite, il voyait la marche, encore devant. Il faudrait que je vous explique qu'il m'a dit, avant l'émission, il m'a dit, s'il y a un truc sur l'espace, n'hésite pas. Je suis incollable. Je le défonce. Donc on fait quoi ? On change ou on garde Miko ? Non, on garde Miko, il vient d'arriver. Il a fait des frais de déplacement et tout quand même. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale ? Ouais. Traité de Versailles ? Oui. Traité de Versailles ? Mais attends, il a pas marché ! C'est Jeff qui va y aller. Attends, bouge pas. Si, c'est Jeff qui va y aller. Vincent, pour l'instant, est très bon. Qui a dit I have a dream ? Martin Luther King ! Oui, bah oui. Mais tu l'as déjà posé ? Tu l'as déjà posé. Non, Martin Luther King. Mais le buzzer. Il marche pas ! Attends. Il a cassé. Pas. Voilà, là, il remarche. Il marchait pas. Vincent est très bon. Mm-hmm. Vincent passe la première étape avec Jeff qui reste en place. Très bien. Bravo ! C'est Alexandre. Voici, c'est Alexandre. Je t'appellerai Vincent. Tu es bon en musique ? Un peu moins. Voici le blind test. Je veux jouer. Non, bah tu justement. Non.
C'est Jeff. Mais pourquoi, non Jeff, il est tu veux faire perdre ton équipe, en fait, toi. Non oh. Mais bien sûr que si. Il veut qu'on bouffe de la merde. Attention. Oui. Mais je connais pas ça. S'en aller. Non, c'est pas ça. Un chouïa. Un chouïa. Mais non, les gars. Chouïa, c'est quoi cette chanson? Gradure! Non, pardon? C'est Gradure? Ouais, t'as aidé! T'as aidé! Jacques, elle était pour toi cette question! Non, mais c'est pas. Il a perdu! Il non, moi je suis grand mou! Non. Non, il a pas perdu! Il a perdu? Oui! Je prends Miko! Oh, mais... Miko, tu y vas! Miko, Alexandre est toujours en lice, Alexandre peut être bien parti pour la Nintendo Switch! Miko! Ok! Le traité de Versailles! Tu n'aides pas. C'est le Slimane et Vita. Ouais. Ouais. Ah mais c'est parce que je bosse sur Énergie, je les entends 20 fois par jour. Stromae. Mais c'est lui qui a... Ouais. Il a appuyé avant. Il a appuyé avant donc. Stromae. Alexandre. Il est bourré dans la rue. Il est bourré dans la rue et... Mais il vient de te le dire d'ici quelques fois. Il vient de te le dire. Hein. Répète ce qu'il a dit. Ah non, trop tard. Stromae. Voilà. Mais parce qu'il est bourré dans la rue, c'est pas une réponse. C'est son Stromae. Bien joué, Miko. Formidable. Ah oui, puisqu'il a perdu. Quelqu'un d'autre. Ou elle a l'air vénère. Ou elle est en conquête, elle a l'air vénère. Là. Elle va me bouffer. C'est quoi le prénom? Elodie. Ok. Prête à en découdre. Eh, Miko, oui. On enlève la main du buzzer. Pardon. Et me le casse pas, c'est la première fois qu'on l'utilise. Si on pouvait le garder jusqu'au deuxième fois. C'est vrai que ça, en plus, c'est bien fait. Soprano. Jamais. Bravo. Oh. Ah non hein. Jérémy Frérot. Ça ressemble. Christophe Maé. Christophe Maé, mademoiselle, bien joué. C'est le même genre. Et quand ça me poisonne. Avec une flèche. On continue. Oui. Jérémy Frérot. Ah bah attends, non, c'est elle, elle qui a buzzé. Merci. Jérémy Frérot. Alors non. Regarde ton buzzer. Alors non. Non. Non, non, c'est Frérot, c'est Frérot de la Veilla. C'est pas Jérémy Frérot. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mademoiselle, vous quittez. Jackson 5 et Michael Jackson, c'est pas pareil. Exactement, Miko a raison. Elle a envie de jouer Stouff grave. Là, c'est son Nous avons le prénom. Julie. Elle est très jolie, Julie. Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims. C'est Miko. Non, c'est elle. Ah non, non, elle c'est Nico. Avant. Ah non, c'est elle. Elle a non, bougé, c'est elle a bougé avant. Non, non, je suis désolé. Ah, bah, tu, non. Tu bosses avec qui, toi? Nico, oui, concentre-toi. Oui. Non, mais attends, 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 je suis désolé. Moi, j'ai la main derrière le dos. Elle est au-dessus, à 5 cm. Je ne t'ai pas demandé de la mettre dans ton dos ni dans okay, ton. Ok, d'accord. Non, vas-y. N'exagère pas. Vas-y, non vas-y, plus. Vas-y. Ah, non, ça a pris cher, là. Non, je fais comme toi. Non, mais moi, je fais au-dessus, comme ça. Non, ouais, voilà, voilà. Non. Voilà. Voilà. Tu me dis stop. Stop. Black Eyed Peas. Oh, Black Eyed Peas. J'allais dire David Guetta. Pour l'instant, cette manche est remportée par Julie. Bravo Julie. Merci. La finale va se faire entre Julie et Miko. C'est entre Julie et Miko et c'est l'ultime manche. Et je vais avoir besoin de Stouff, notre spécialiste. Ah bah non, t'as pas voulu que je fasse la musique alors. Pour installer, pour installer. Installer pour quoi installer. Puisque cette dernière manche s'appelle le je te tiens, tu me tiens par la bande de cire. Oh là là, regarde. Je vais pas le mettre sur que... la jeune fille. Alors je t'explique un truc. Comment? Je suis sensible. Vous avez les bras comment? Dans quel état? Mais je suis sensible quoi. C'est... Sensible comment? Ah mais elle a rien. Si, j'ai quand même, mais pas ça fait mal quoi. Ah oui, c'est le principe, hein. La bande de cire, ça n'a jamais fait du bien, c'est assez non, rare. Dans les, par exemple, dans la parc d'attractions, il y a rarement l'attraction de la bande de cire. C'est vrai, à côté des barbapapas. Ben voilà, ah, c'est assez rare, pas. Bien sûr. Le principe, c'est je te tiens, tu me tiens par la bande de cire. Ah dingue. Le premier de nous deux qui rira. Oh ah, vous savez que je suis en train de. Voilà, une fois que ça. Mais, oh. Chauffez-le bien, mettez-le bien. Vous savez, allez, je suis en train non. de me rendre compte d'un truc. J'ai beaucoup quoi plus de poils que. C'est que ce jeu est idiot. Parce que je te tiens, tu me tiens par la bande de cire. Oui. Quoi qu'il se passe. Même le gagnant, il va falloir qu'il la retire. Le gagnant, il va falloir qu'il la C'est vrai. Dans c'est tous les cas, t'es quoi mort. C'est fou comme quoi jeu. Alors, je vais dire un truc. Si je gagne, j'en ai rien à foutre, je l'enlève jamais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous prenez le bout de celui de l'autre. Ouais, alors c'est quoi cool, on aurait dû faire le bas différent parce que là... Vous inversez. Bah non, on a le même bras. Ok, c'est bon. Je te tiens, tu me tiens.
Par la bande de cire, le premier de nous deux qui rira se fera épiler. La tête de Julie. Oh non, terrible, Julie. N'arrive pas à savoir si Julie fait une grimace ou si c'est le visage normal. Je crois que c'est sa tête normale. Je crois qu'elle a des spasmes. Elle a des spasmes. Non, elle ne rit pas pour l'instant. Elle a envie de faire. Je crois qu'elle a un truc dans le nez. Non, je ne peux pas te. Non. Elle est constipée. Elle est constipée. Non, elle n'est pas constipée. Elle essaie de. Elle est concentrée. De rentrer. Voilà, de voir un petit peu ce que ça se passe. Nico peut dire très longtemps. C'est vrai que c'est un bon jeu de contrôle. On joue pour une Nintendo Switch. En fait, je pense à Bordas et j'ai pas du tout envie de rire. Et est-ce que tu veux penser à Monsieur Belverge, Nico? Non. Rappelle qu'il est 20h, que pour l'instant, ils sont partis dans un combat d'œil. Un combat de regard qui est absolument terrible, qui avait été gagné par Gilbert Montagnier en 78, abattu depuis. Elle est en train de sourire. Je rappelle que Didier de L'Amour est dans le Pré a fait ce combat d'œil, également ce combat de regard. Et il a perdu. Et il a perdu, ça se voit. Mais il avait deux concurrents en même temps. Deux concurrents, c'est sévère de chaque côté. Pour l'instant, je rappelle qu'ils ont chacun la main sur une bande. Elle a un regard profond. Elle a un regard profond. Et là, je peux te dire que là, elle a envie de le défoncer. Elle a envie de le défoncer. Mec, on dirait que t'as fait une tache sur sa moquette. Je sais pas ce que t'as fait. Je te jure. Bordas a tenté de montrer ses fesses pour essayer. C'est qu'il a pété. D'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'il est breton parce que le cul est terriblement blanc. Et Julie, les poils de Miko que tu as en souvenir, c'est également, cadeau, c'est, cadeau. C'est cadeau. Miko, voici la deuxième partie. Eh oui. Alors regardez bien, regardez bien. Alors là, c'est mon moment préféré, mais voilà. Je vais reculer là. Bah, c'est mon moment préféré aussi. Après, on est une équipe, normalement, on devrait tous partager. Hein. Ouais, bah alors merci. Ferme-la, toi. C'est pas une équipe, on doit aider. C'est le bon moment. Mais regarde, Miko. Tu es un réalisateur et tu dois participer, c'est une très bonne idée. Moi, je m'en fous, moi, je le fais, je suis mon pote, moi. Tu sais que ça sent le chamallow. Allez, Michel. Oh, Mikey. Allez, Michel. Il a rien mangé. Il a même pas le dans les mains. Nico, arrête, fais pas ça. Il pleure, laissez-le. Tu sais que je suis hyper sensible au niveau de la bouffe. Il ne l'a pas encore mangé, il n'a pas encore goûté. Je rappelle que dans un instant, nous allons faire gagner 1000 euros grâce à la NFA. Hey, Bichette, on ne pose pas de questions. Let's go. Là, tu sais quoi là. C'est toi qui me manges, mais je souffre pour toi. Allô. Là, lui, il est bien, il est bien. Là. Il pleure, bien. Il pleure déjà. Viens, mon grand, viens. Je peux pas, je peux pas. Viens, mon grand. Il y en a, viens, y en a un au chocolat. Viens à côté de ton pot. Dis-toi que c'est bon. Dedans. Dis-toi que regarde, il pleure. Dedans, mais mec, je pleure de partout, du front, là. Dis-toi qu'il y en a un au chocolat et pas les autres. Mais les autres, je veux juste savoir ce que c'est. Et alors, c'est quoi? Il y a quoi? Non, c'est ça bien, pique, ça a l'air ça d'aller. Mec, c'est vous. J'ai des wasabi? Ah ouais, ouais, frère. C'est tous les mêmes? Ah bah, je sais pas, je sais pas si vous écoutez, Miko. Franchement, tu sais quoi? Si t'y vas d'un coup. T'es un bonhomme. Oh. T'es un champion. Tu sais quoi? Si t'y vas d'un coup, le public se lève et t'applaudit. Prends de l'eau. Bravo, c'est là-dessus, t'es mon champion. Tu es mon champion. Tu es mon champion. Je crois que t'es un champion. Il fait le cours du studio comme un. Ah non, il va au chiot. Non, mais en plus, il a mal au ventre depuis deux jours. Pourquoi tu faisais au putain quoi? Je regarde la tête de Jack. Ah bah viens prendre le tien. Tiens, viens prendre ton wasabi. Allez, viens. Voilà. Le truc est pas bon. Wasabi. Non, le truc est vraiment pas bon. Bordas, viens à côté de moi. Il a un goût de pourri. Non, il est pas bon du tout. Dans la bouche, d'un coup, t'es un bonhomme. Non. Coco. Tu m'as pris pour un escroc, toi, mais le plus mauvais magicien du monde, quoi. Il a fait quoi? Il a un autre dans la main. Viens, prends ça. C'est bien de t'en rendre compte. Allez, te pose pas de questions. Allez. Tu sais quoi, Coco? Mets-lui les trois derniers dans la bouche. Ah ouais. Fatigue. Allez, celui-là. Vas-y, mâche. Allez, hop. Ouvre la bouche. Ouvre papa. C'est pour avoir voulu nous entuber. Vite, ou ça rentre par une autre extrémité. Allez. Allez, l'autre, le dernier. Allez, le dernier. Et tu restes à côté de moi pendant que je dis au revoir. Passez une bonne soirée. On va vous laisser avec Mickaël, toute l'équipe. Miko, t'es un petit peu chaud, j'ai l'impression. Ah oui. On entend des bruits bizarres. T'es sérieux? On va revenir demain. Demain, ça va être la dernière de la semaine. Demain, il y a Mickaël.
Oui, voilà. Là, tu m'entends, Nico? Monte ton bras, voir comme il est bien épilé le bras. Oh, comme il est bien. J'ai plus rien. Bisous à tous. Salut le public. Bravo, Marie, pour la même chose de suite. T'as kiffé la vidéo? Il y en a plein d'autres. Là, il y en a sur le côté. Et puis d'abord, tu peux commenter autant que tu veux. Tu dis si tu nous aimes, etc. Et tu t'abonnes. Parce que si tu ne t'abonnes pas, tu seras maudit sur 18 générations. Toi, toute ta famille, ainsi que tes animaux de compagnie. Donc autant t'abonner et mettre la petite cloche qui va avec. C'est important.